Ça nous est tous arrivé, ça, d'être dans le noir et de voir des ombres, des choses qui peuvent nous faire penser à un personnage. Et à l'issue de ça, on s'invente toute une histoire, en fait. Et tu vois, je pense que dans la vie, c'est pareil. Les choses se passent, tu ne comprends pas. Il y a plein de choses qui se disent et notre tête interprète tout ça. Parce que c'est une faculté de la pensée de vouloir faire en sorte que les choses puissent être compréhensibles. Nous avons peur de l'inconnu. Donc, on se raconte une histoire pour que cet inconnu soit acceptable et qu'on puisse vivre en paix dans un monde que nous avons fabriqué. Donc, tout ce que l'on se raconte nous réconforte et aussi nous fait faire des choses qui ne sont pas rationnelles. Parce qu'on pense à des choses et puis il s'avère en sorte que ces choses qu'on a pensées ne sont pas vraies. Et voilà, la vie, elle est faite de mensonges, de toutes ces choses que nous nous racontons les uns les autres. La relation dans laquelle je suis, eh ben, je voudrais la voir de telle ou telle manière, mais pas à la manière qui me soit défavorable. Donc, nous avons fabriqué un monde favorable à notre entendement de comment on aimerait voir la vie. Et la pensée te donnera des éléments pour faire valoir cette vie que tu veux faire exister. Parce que c'est ce que nous avons appris, c'est la propagande de toute une vie, de pouvoir réussir, de pouvoir faire de ta vie quelque chose qui soit reconnu, agréable, aux yeux des autres. Donc, on se valorise. On se donne de l'importance et en fait, on est en fait rassuré que les gens t'acceptent pour ce que tu es devenu. Donc, tu es devenu ce qui est acceptable. Mais tu oublies d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est la réalité. Ce n'est pas ce que tu te racontes. Tout ce qu'on peut se raconter n'est qu'une illusion, n'est que quelque chose que la pensée fabule. Et c'est pour ça que notre façon de regarder les choses a toujours été de manière à faire en sorte que les choses nous soient avantageuses. Donc on veut être reconnu. On veut que l'autre nous aime. On veut que l'autre soit à mon goût. Mais tu sais que dans ce monde, ça n'arrive jamais parce que personne ne sera à ton goût. Il n'y a que toi qui peux être à ton goût à toi-même. Personne ne peut vivre la vie que tu aimerais. La vie de tes rêves t'appartient, c'est dans ta tête et c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ce rêve. Soit tu l'alimentes. Tu fais en sorte que ton rêve puisse exister, ou soit tu acceptes que ce rêve n'est que illusion et tu l'abandonnes. Et en l'abandonnant, ce qui se passe, c'est que tu as la réalité en face de toi. Cette façon de voir sans se raconter d'histoire, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que nous laissons nos impressions nous commander tout ce que nous pensons, et ça devient pour nous une affaire extraordinaire. Et on est mené par le bout du nez par ce que la pensée propose. Mais la pensée, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose que de l'illusion. Ces ombres, ces choses que tu aimerais voir ou que tu ne veux pas voir, et elles sont en face de toi et elles te subjuguent. Elle t'emmène à devenir quelqu'un qui n'est pas très rationnel et tu vis dans ton monde, quoi, en fait.
mais tu ne vis pas ce que la vie, elle est vraiment. Parce que tu acceptes de regarder les choses avec cette vision qui trouble la réalité. Et la réalité, elle est toute simple. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu as là, maintenant, mais pas ce que tu te racontes. Tu peux te raconter des histoires de comment le monde nous a propagandisé la vie. On nous dit qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui viendra te sauver, il y a un prince charmant. Toutes ces choses sont dans nos têtes, à tous. Nous avons été tous conditionnés par cela. Et quand nous voyons les choses, nous ne les voyons pas comme elles sont. Nous les voyons comme on aimerait qu'elles soient. Et là, on a un gros problème parce que quand tu restes sur cette conclusion que le prince charmant viendra ou quelque chose, un Dieu viendra te sauver, eh bien, il y a beaucoup de déceptions. Et déjà, il y a la frustration qui ne vient pas te sauver aussi. Parce que tu vis une vie de misère et ça se perpétue. Et tu attends, tu es dans l'attente de quelque chose. Mais il n'y a rien qui pourra nous sauver. Ce ne sont que des illusions. Mais comment on peut se sauver soi-même? C'est d'accepter de voir les choses comme elles sont, mais pas comme nos pensées nous l'expliquent. Et nous le faisons à nos enfants, nous le donnons de génération en génération, nous passons l'illusion, quoi. On leur dit à nos enfants comment la vie devrait être. Qu'est-ce que tu dois faire pour être un jour bien, pour ne plus avoir de problème? Donc on leur insuffle toutes sortes de stratégies pour arriver à construire leur vie. Mais en fait, l'enfant, lui, quand il vit la vie, il est simple, il est heureux, il est joyeux. Et c'est quand tu lui dis d'arriver à quelque chose, et le jour où il arrive à faire tout ce que la société lui demande, tout ce que l'ensemble du formatage lui demande, et bien c'est là qu'il commence à avoir des problèmes. Et ces problèmes, ce sont les nôtres, nous les adultes, qui perpétuons en fait tout un système qui n'a pas de réalité. C'est des histoires que l'on se raconte et qu'on poursuit, et on a beaucoup de déceptions. La société, c'est une grande déception. Les guerres, les gens qui meurent de faim, tout ça, c'est une grande déception. Parce que nous l'avons fait, mais nous ne sommes pas restés simples comme l'enfant, innocents comme l'enfant. Nous sommes devenus compliqués. Nous nous sommes racontés des histoires. Et ces histoires qu'on se raconte, c'était pour avoir un peu plus de sécurité. Il faut que jamais je meure de faim, il faut que jamais je ne sois à la rue. Donc ce que l'on fait perpétue la société telle qu'elle est, avec ceux qui ont rien et ceux qui ont tout. Parce que chacun d'entre nous, on est en train de voir l'intérêt qu'on a de faire exister ce qui nous est agréable. Et tout le monde veut ça. Le problème, c'est que tout ça, c'est une illusion. On n'a pas besoin de cette sécurité, parce que cette sécurité, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Tu peux bien comprendre que quand tu te sens en sécurité dans ta petite maison, ce n'est pas la sécurité. Parce que, en fait, tu as peur. Tu as peur que quelque chose arrive. Et donc, tu crois que entre ces murs, avec ton alarme, avec tout ce que tu as construit, eh bien, tu seras mieux, tu seras plus protégé. Et c'est ce que nous cherchons tous, la protection. Et à force de se protéger, eh bien, le fait d'être protégé, eh bien, on trouve toujours des gens, des autres, qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce que tu gardes. Donc on n'est pas protégé, on n'est pas en sécurité. Et toute la société est en guerre contre ceux qui veulent s'ingérer dans les affaires que j'ai gagnées. Et pourquoi tu veux tout ça? Pourquoi tu veux gagner tout ça? Pourquoi tu veux ce havre de paix avec tout ce que tu as besoin, mon argent, et tu n'en as jamais assez? Eh bien, ça crée la société dans laquelle tu es. Et tout ça, c'est l'envergure
qui fait que les gens ne s'entendent pas, les gens se méfient les uns des autres. Et on est tous dans son petit cocon que l'on a fabriqué, mais c'est un cocon où il y a beaucoup d'insécurité, de la peur, de la frustration, parce que les choses ne se passent jamais comme on entend. On aura toujours besoin de quelqu'un pour venir nous protéger, de nous sauver. On cherche la police, le docteur, on cherche celui qui est fort, on cherche des gardes du corps pour se protéger. Parce qu'on est en insécurité, alors que le monde prône de la sécurité, que tu dois réussir, que tu dois avoir cette belle vie et tout ça. Et tu penses que tu as gagné quelque chose, tu as gagné une sorte de sécurité. Mais c'est là où tout va mal, parce que cette sécurité, c'est une illusion. On t'a fait croire que si tu deviens quelqu'un, si tu es, si tu gagnes beaucoup d'argent, si tu peux avoir un château avec des choses qui t'entourent, tu seras en sécurité. Est-ce vrai? Tu n'es jamais en sécurité. La sécurité, c'est quand tu es en paix, quand tu n'as plus rien à protéger, quand tu es libre de tout ce que tu aimerais avoir pour avoir de la sécurité. Et ça, c'est une grande liberté, de pouvoir être libre de tout ce qu'on a besoin pour se protéger. Et dans ce monde, on a besoin de beaucoup de choses. Et toutes ces choses que l'on a besoin, eh ben, elles nous donnent de la tracasserie. La tracasserie pour pouvoir atteindre ce que l'on aimerait avoir pour se sentir en sécurité. Alors qu'au bout de tout ça, il n'y a pas de sécurité. Il y aura quand même, au bout de tout ça, la mort. Tu ne peux pas garder tout ça. Donc il y a quelque chose de bien plus subtil que cette sécurité que tu cherches constamment et que tu te fatigues la tête pour pouvoir les avoir. Nous sommes dans un monde où tout le monde court derrière ça. Et on croit que là, on est arrivé. On se tape sur l'épaule les uns des autres. « Ah, tu as vu comment on a fait ça, c'est bien, on est arrivé enfin. On a gagné notre sécurité, mon terrain, ma voiture, ma maison, mes enfants. Ils ont une belle école et puis ils sont bien rentrés dans la société, on est bien casés. » Tu vois, c'est ce qu'on appelle la sécurité. C'est le formatage, c'est le moulage de l'esprit. Dans un monde conforme où tout le monde a accepté comment tu devrais être. Et on va t'applaudir à ce moment-là. Et pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi nous sommes dans un monde de déboires et tout le temps en train de se bagarrer avec des guerres, avec des conflits interminables? Pourquoi? Parce que justement, cette sécurité que tu veux, tout le monde la veut. Et donc, à cause de cette sécurité que tu as, alors il y a d'autres qui sont malheureux. Donc, il y a une injustice. Et cette injustice, nous le cultivons en croyant que je peux avoir ma petite zone de confort. Et ça, c'est une activité égocentrique qui veut pour moi se protéger soi. Et là, on ne pense plus aux autres. Il n'y a plus personne qui existe. On est dans l'indifférence totale de ce qui se passe autour de nous. Et donc, à ce moment-là, il y a une grande nervosité. Nous vivons dans un monde où tout le monde court derrière le gain de son désir. Et on est esclave de ce gain. On ne nous a pas appris autrement. Depuis des générations et des générations, on cultive cela. On dit à nos enfants qu'il faut réussir, avoir le gain de la réussite, devenir quelqu'un. Et quand tu deviens ce quelqu'un que tu penses devoir être, que toute la société te baratine et te propagandise, eh bien tu ne sais plus qui tu es à ce moment-là. Revenir aux sources, c'est la plus belle chose que tu peux faire. Et pour faire cela, il faut que tu saches abandonner ce qui est faux. Il faut que tu vois ce qui est faux.
Parce que tu ne vois plus maintenant. On t'a fait croire que toutes ces choses, c'est normal. Vivre de cette manière, c'est normal. C'est comme ça que ça devrait être. On dit, je suis obligé de vivre ainsi. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? On n'est pas obligé. Parce que quand tu te sens obligé, tu es soumis. Tu es soumis à la propagande. Tu es soumis au conformisme. Alors, cette obligation, c'est seulement une illusion. Mais on peut tous voir le jour d'une autre manière. En dehors de son centre égocentrique qui va demander que les choses soient à mon goût. Et celui-là qui veut que les choses soient à son goût, eh bien lui, il veut exister encore et encore. C'est ce qu'on appelle communément sur la planète Terre l'ego. On n'en aura jamais assez. Donc cet ego-là, ce sentiment égocentrique, ce sentiment de qui est en demande constante et jamais il est satisfait, ça doit mourir, ça. Il faut que tu trouves un moyen avant que tu mettes le pied dans la tombe et voir comment faire pour ralentir cette demande, diminuer cette demande. Arrêtez de courir après le plaisir qui fait que d'autres n'ont pas de plaisir. Parce que tout le monde veut le même plaisir et on détruit la planète. Donc s'arrêter pour voir ce qui se passe. Et alors, si tu as vu, il y a en toi une intelligence qui fait que tu changes de direction. Est-ce que tu peux entendre cette intelligence? Est-ce que tu peux être animé de cette intelligence? Pour cela, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu acceptes de regarder les choses comme elles sont. Et à ce moment-là, tu verras. Et celui qui voit, c'est regard, ce regard, cette vue, c'est une perception qui mettra de l'ordre.